Les amis, je suis pas tout à fait sûr que cette vidéo va sortir, mais on va dire que si ça se passe à peu près bien, ça sort. J'ai pas joué de match sur le jeu depuis 2 semaines et demie, vraiment aucun match les gars, et j'avais promis que mon prochain match ce serait pour une draft 194. Malheureusement les gars, c'est pour une draft 193 que je fais un nouveau match. Et je vais même en faire plusieurs des matchs, je l'espère en tout cas. J'ai vraiment envie de tester Gino là. Je l'ai eu, j'ai eu de la chance les mecs, il est incroyable, cette carte est incroyable. Il va, je vais MDC les mecs, je vais changer la compo, je vais le passer BU. Je vais faire rentrer Ronaldinho à la place de Isco. Je vais faire rentrer peut-être Thiago Mendes en MDC à la place de lui, là. Bref, les gars, il y a des trucs à changer. Cette draft est incroyable. Attendez-vous pas à quelqu'un qui maîtrise Ginola à la perfection. Sachez-le. Donc on va lancer, les gars, le premier tour de draft. Et on va voir si ça se passe bien. Bon, allez, premier adversaire en espérant que celui-ci ne quitte pas, les gars. Ok. Il y a Marcelo qui peut faire peur en pointe. Après, ça va, ça draft en vrai. Je vais mettre pause après la première action, je pense. Parce que sinon, les gens, des fois, ils quittent. Comme moi, on draft tout ça. Donc on va éviter qu'il quitte. Oh là là, je suis trop fort. Ma parole, j'ai Isco, je marque avec Isco alors que j'ai des Ginola, des Benzema. C'est Isco qui a marqué là. En vrai, ça pouvait être que lui. Ah non, c'était Torres, je pense. Je pense que c'était Torres. Ouais, il avait pas la dégaine de Isco. Bon bref, Isco d'ailleurs, tu sautes. On va mettre Ginola ici du coup. Je pense en MDC, je passe Mendes les mecs. Mendes MDC, je pense que c'est parfait. Gardien. Elle rentre pas. Putain, elle est rentrée, elle est magnifique. Elle est somptueuse, les mecs. Et lui, il a pas des Ginola pour faire ça. C'est qui a mis ce but là? Lucas Paqueta. C'est quoi la version Fut Birthday, il me semble. Putain. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une pénurie de manettes Xbox, les mecs. Il y a plus de manettes Xbox en vente, ni à la Fnac, ni Micromania, ni sur Internet. Il y en a plus, les mecs. Il y a plus de manettes Xbox. Ça fait 2 mois que je cherche une manette Xbox, les gars, à m'acheter une neuve, vu que j'ai cassé la mienne et que là, je sais même pas laquelle j'utilise. Mais elle est cassée, elle aussi, en vrai. Il y a plus de manettes, les gars, sur le marché. Donc voilà, je crois que c'est avec tout ce qui s'est passé au niveau des guerres, tout ça, pénurie de matériel, bref. Voilà les gars, il n'y a plus de manette, j'aurais bien aimé changer de manette, mais j'en ai pas en fait. Pareil pour Play, alors pour Play je sais pas, vu que je joue pas sur Play et que ma manette elle est propre. Mais ouais, sur Xbox, là si je veux une manette neuve les gars c'est 100€. Je vais pas acheter une manette à 100€ les gars, faut pas abuser. Wesh Ginola, Ferran Torres il aimait ces buts là lui, il a pas 5-5 lui je crois. Oh, je vais enrouler d'ici. Oh là là, magnifique les gars, le petit placé. Oh, j'arrive à faire des timings verts alors ça fait 3 semaines que j'ai pas joué. Je suis vraiment exceptionnel comme joueur, hein. Oh là là. Il est exceptionnel, ou alors c'est moi qui suis exceptionnel, la vérité. C'est moi qui suis exceptionnel, les mecs. Là, ce que je viens de lui mettre, les gars. Incroyable. David Ginola, les gars, je vous montre comment il faut jouer avec lui, les mecs. Eh ouais, faut pas jouer simple, faut faire des trucs superbes, superbes. Par contre, remonte le ralenti, abuse pas le jeu. Oh là là, tu mets des super buts, il n'y a même pas de ralenti. Ok. Est-ce qu'on tenterait pas un... Oh là 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 là, mais c'est trop simple avec ce joueur. C'est trop simple, les gars. 4-1, peut-être c'est un rage kit. Peut-être c'est un rage kit, les gars, j'espère. J'espère, parce que... Ça va, je surdomine. Tu peux me permettre de faire ma draft plus rapidement. Ok. Ronaldinho. Hop. Elle rentre? Pff, oh, c'est n'importe quoi. Les gars, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Je veux bien que l'adversaire soit pas très très bon. Mais il se prend des dingueries par Ginola tout le long du match, le frérot. Hein. Bien joué. Beau but. Il a touché les deux poteaux. Bravo, mon ami. Il va pas l'avoir. Ah si, là. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, mais c'est incroyable. Mais les gars, je mets des buts, ils sont incroyables dans ce match. Vraiment, magnifique. 7-2? Non, 6-2. Ah, il va quitter à 6-2 maintenant? Bah vas-y. Hein. Ça me fait économiser 10 minutes quand même de ma vie. Les gars, le premier tour de draft est passé sans aucun souci. On a combien de buts de Ginola dans cette draft, les gars? On a eu un paquet, hein, je crois peut-être 3, voire 4. 4 buts, une passe décisive, les mecs. Rien à dire, les mecs. Et sans forcément forcer sur lui, même s'il y avait quand même... J'avais l'impression que j'avais envie de forcer un peu dessus, les gars. Ce premier but, c'était quoi? Je pense que ça, c'est rien d'exceptionnel. C'était un joli enroulé quand même. Hein. Un angle assez compliqué quand même. Et Ginola, le deuxième but, c'était comment? Ouais, c'était quand même pas mal du tout. Ah, c'est là. Oh là 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 là, mais ce que je lui ai mis! Ce que je lui ai mis, les gars! Ça fait mal, ça, non? Regarde, pff, déjà ça. Et là, au gardien. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, les gars. Ensuite, on en a mis un autre encore qui était joli, je crois. Là, je crois que je fais n'importe quoi dans la surface. Ouais, je dribble, je fais n'importe quoi et je marque, finalement. Ensuite, je crois que c'est le lob, ça.
Je recule et je lobe. N'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. C'est trop cheaté, bref. Allez, on va tenter au deuxième tour maintenant de voir ce que ça dit. Deuxième tour de draft. Voyons voir. 90. Ah, ok, on a une meilleure draft. Bah, de toute façon, ça va être dur de trouver un mec qui a une meilleure draft que moi. Et on va faire nos changements directement. On a vu que ça a payé de mettre Gino la BU et là Ronaldinho. Et bien sûr, on n'oublie pas Mendes à la place de Isco, du coup. Hop là, comme ça, les gars. Oh! Oh! Mais les gars, j'ai quoi ce soir? J'ai pas joué depuis 3 semaines, je suis meilleur que j'ai jamais été cette année! Magnifique ce que je viens de faire avec Benzema, les mecs. Les bons gestes au bon moment. C'est ça qu'on demande dans le football, les mecs. La simplicité. Let's go! Enfin, on va pas en vouloir aux joueurs, les mecs. Oh là là, il va trop vite. Il va trop vite. Il récupère même des ballons qu'il a fait de la merde avec. On va finir tranquillement, non? Bon, je crois qu'il est pas très bon l'adversaire, les gars. Je viens de me rendre compte pourquoi j'ai mis un but tout à l'heure. Cool avec Benzema. Let's go, 2-0. Allez. Ginola encore. On va finir simple, non? On finit simple, les gars. Comme ça, 3-0, 3 buts d'avance, 24 minutes. Ça sent quand même bon. Mais on sait jamais avec FIFA 22. Mais ça sent quand même bon un petit peu. Ça sent quand même un petit peu pas mal bon quand même, hein. Oh, j'ai cru qu'il allait encore le récupérer. Est-ce que c'est un carton rouge? Normalement, c'est un carton rouge dans le football. Mais non, c'est un carton jaune. Oui, les gars! L'abandon de mon adversaire, les gars! Je suis officiellement au troisième tour. Déjà, c'est une réussite personnelle, je vous le dis. Maintenant, le troisième tour. On va espérer que ça se passe tout aussi bien, les gars. Le troisième tour. On est parti. Parce qu'il y avait un petit peu de colle dedans. Bizarre. On peut jouer encore comme ça. Merci pour ton 9e mois d'abonnement, mon frérot. Ah, troisième adversaire avec Benzema, Tots comme moi. Allez, c'est parti, les gars. Je suis mort dans le film, les gars. C'est pas le même scénario que les autres matchs, malheureusement. C'est superbe, les gars. Ginola, le contrôle, il est parfait. Ce qu'il vient de faire, c'est beau aussi, les gars. Simple et beau, ma parole. Benzema, l'égalisation, les gars, allez. Allez, mon petit Ginola, c'est ton moment. It's time. Mais c'est pas pour lui, mais la manette elle est cassée. C'est pas possible autrement. Oh, c'est pas possible autrement, gros. Elle est cassée. C'est pas possible, je fais pas la passe là. Finis-moi ça, mec. C'est bien ça, Ginola. On va la chercher cette finale, les mecs. Plus que 4 minutes à tenir. Plus que 4 minutes, les gars. Oh, mais la tête de moi. Regardez ce qui va se passer là. La retourne chromatique. C'est gagné, les mecs. On est en finale de cette draft. Nous sommes en finale. Eh oui, j'ai encore éliminé des gens. Quatrième tour, troisième tour perdu. 114 000 d'Esporuts. Salut le frérot, désolé. N'est qu'un au revoir. Les gars, la finale de draft. 191. 5-3-2. Ça va être compliqué, les gars. Il faut y croire. Croyez en moi, s'il vous plaît. Bon, allez. On fait nos changements comme d'habitude. On est en finale. Ça risque pas de rage quit pendant que je fais pause. Mais c'est pas possible, frère, on est en finale, il rage quitte. Mais non, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, les gars. Récompense, comment ça, récompense? Ah ouais, on va refaire, allez. L'adversaire de ma finale, il a pas le collectif. Il a une moins bonne draft que moi. Il va certainement faire des changements qui rendent sa draft pas mal. Et je crois qu'il a CR7 Totti quand même, normalement. Je mets pause, l'adversaire ne quitte pas, on est en finale. J'espère que ça va pas m'arriver deux fois de suite quand même. Non, c'est bon, les gars. Isco, du coup, Ronaldinho. Oh, on prend les mêmes et on recommence, les mecs, hein. Et Mendes ici, les mecs. Et allez, les gars, c'est la finale de draft. Il est l'heure pour moi, les mecs, de vous montrer que je ne suis pas complètement rincé sur FIFA 22. Et Eden Hazard. Boum. Oh là là, je me suis dit, angle fermé, ça peut le faire, ça peut le surprendre. Mais non. Incroyable! Quel but! Formidable! On n'a jamais vu si beau, Jean-Pierre! Eh oui, vous ne me le faites pas dire! Incroyable! Ouah, j'ai pas de chance que le ballon lui revienne dessus! L'égalisation! Il est nul ce match, ma parole! Il est nul! L'adversaire, je sens qu'il est bon, les gars. Je trouve que l'adversaire est bon.
Elle est balle. Elle est incroyable. Mais pourquoi je frappe direct? Mais je suis teubé. Je suis teubé. C'est pas possible. Bien joué gros. Vas-y, c'est nul ce match, ma parole frère. C'est nul. 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 Et en plus j'ai la Ribéry, c'est cheaté. Je rigole, mais bon, j'ai la mort. Fini. Mais finis-toi. Ben voilà, la légalisation méritée celle-ci. Bien joué, yo. 2-2. Belle finale, belle finale. Allez. Oh, qui c'est? Qui c'est, les gars? Qui c'est? J'en ai mis comme ça contre Joe Space à l'époque. Fini. Let's go. Le poteau rentre. Ronaldinho. Gocho. Ouais. Oh, la célébration incroyable. Incroyable cette célébration, j'ai jamais vu. Faites sa mère, les gars. Ok, bien, bien. Bien, les gars. Bonne mi-temps, 3-2 pour nous, c'est dur, hein. C'est dur. Allez les gars, deuxième période. Finis-moi ça. Non, elle est contrée. J'aurais dû croiser. J'aurais dû croiser. J'aurais dû croiser. On m'avait dit, il est gaucher dans cette version. Il est l'heure de le prouver, l'heure de le prouver, l'heure de le prouver, l'heure de le prouver. Oh, la barre. La barre. Oui, il tire à côté les mecs. Pour le moment, il tire à côté sur ses grosses actions. C'est bien, c'est bien. Ok. Ok. Oh putain. Faut pas le perdre le ballon là. Je suis mort. Bien joué. Légalisation les mecs. Quel match? Quel match? Quel match? Incroyable ça puff. Ribéry les mecs. Trop fort ce Ribéry. 4-3, il prend enfin l'avantage dans ce match l'adversaire. Incroyable la puff qui vient de me mettre. Après je l'ai laissé. J'étais préoccupé par l'appel de son joueur. Donc j'ai laissé Ribéry tout seul. Et forcément, tu laisses un joueur qui a 96 de gêne avec ses stats là frère. Pour armer sa frappe tranquille. Logique il met un but. Wesh. Non vas-y le jeu. Le jeu. Le jeu. Magnifique. Bien joué gros. L'action de la mi-temps les gars. Bravo. Je devais récupérer un ballon, je l'ai pas récupéré les mecs, c'est ce qui va marquer le tournant de cette draft je pense. On va certainement perdre en finale, mais on s'est bien battu. On s'est bien battu les gars, après c'est pas fini. On sait jamais, une deuxième période de prolongation exceptionnelle, incroyable. Mais j'y crois pas, en toute honnêteté les mecs, très bon adversaire en face. Avec ma manette cassée et tout les gars, je ne pars pas avec les mêmes conditions que l'adversaire quoi. Elle rentre. Oh là 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 là! Ronaldinho qui me fait espérer! Ronaldinho, homme du match! Ma parole, homme du match, Ronny! Boum! Let's go! C'est ça qu'on veut, les gars! C'est ça qu'on veut! Incroyable les gars. Vous avez vu ou pas, j'ai mis un timing vert, il a pas tiré en plus. Incroyable. Les gars, c'est quoi cette finale de draft? Oui. Les gars, il faut défendre maintenant. Il faut défendre. Il faut défendre maintenant. Mbappé seul contre tous là. Il a pas fait la passe dans l'axe. Il y a corner. Je suis dans la merde. Dernier corner les gars du match. C'est bon, c'est gagné. La victoire! Incroyable, les gars. Quelle remontada, quel match, quel draft, quel draft, quel niveau de Ginola et surtout quel niveau de Ronaldinho dans cette finale, les gars. Le triplé, mais j'y crois pas, les gars. Cette remontada de l'enfer. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je comprends pas. Regardez ce but éclaté. Je suis désolé pour ce but, au frérot, bien évidemment. Magnifique. Incroyable, les gars, mais...
Les gars, j'y crois. Même moi, j'y croyais plus. Vous avez entendu mon discours de la mi-temps? Vous l'avez entendu, mon discours de loser de la mi-temps ou pas? Vous l'avez entendu? Mais suite à ce discours, les mecs, je me suis remis dedans et j'ai mis ce formidable but avec Ronny, les gars. Incroyable. Le timing vert, bien trouvé. Ensuite, encore une fois, Ronny sur le côté gauche. Hop, la passe ici. Pour Ginola, la frappe, le but, le poteau rentrant. Et enfin, Ginola qui a mis combien de buts aussi en finale? Il en a mis deux. Et Ginola, les gars, j'ai eu de la chance. Hein. Elle a un triangle. Et là, timing vert, mais ça a bugué. Et ensuite, je la récupère, je frappe, les gars. Incroyable. Les gars, 115e, 117e, 119e, non, 112e. Incroyable, les gars. Incroyable scénario. J'ai gagné une draft avec cette équipe de fou. En même temps, les gars, vu l'équipe de fou, c'est pas un exploit non plus. Mais pour moi et mon niveau, les gars, en vrai de vrai, je suis très heureux. Surtout au vu du scénario, on gagne, y'a pas qu'à 100 000. Ouais, les récompenses, par contre, c'est pas très sympathique. Hein. Quel monstre, hey, les gars. Je suis heureux de vous dire que vous avez gagné la prédit. Et vous avez été payé, je crois. Vous avez été payé, c'est bon. Incroyable, les gars. Bon, bah, les gars, inutile de vous dire que Ginola est incroyable. Pour se quitter, on ouvre bien évidemment les petits packs qu'on a eus. On sait jamais. Il me donne Ginola ou Ronaldinho, les deux héros de ma draft dans les packs. Ce serait cool, mais j'y crois pas. C'est des packs hors rares, les mecs. J'ai pas eu de chance d'ailleurs dans les récompenses, les gars. Mais Ginola, vous avez vu. Tout au travers de cette vidéo, les mecs, les buts qu'il a mis. Et ils étaient nombreux, les mecs, et très très beaux. Et non, mais franchement, Ronaldinho, il a Karima finale, les mecs, c'est incroyable. DC, Kier, Simon Kier, les gars, je crois que c'est Simon. Hein. Tiens, vérification, les mecs, parce que j'ai pas envie de dire d'annerie, comme d'habitude. Simon Kier, les gars, parfait. Peut-être ventre comme ça. Et on ouvre le dernier pack, les gars. C'est parti. Pack rare. C'est comme si je faisais des récompenses de 4 victoires en playoff. C'est extrêmement nul, on peut le dire, les mecs. Mais on n'était pas là pour ça, on était là pour tester Ginola et aussi tester un peu notre niveau. Et en fait, je crois qu'on est encore des bases sur FIFA 22, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci au chat qui m'a soutenu, surtout à ceux qui ont misé sur ma victoire en draft. C'était le Yo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao, l'équipe.